Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur l'appellation espace peu dense, qui est un petit peu techno et peut-être pas très heureuse, a une connotation négative et un peu en creux. Une intervenante m'avait proposé de les rebaptiser les grands espaces, ce qui est plus positif et qui explique quand même bien ce que sont ces territoires où il n'y a que la bagnole pour circuler, parce que c'est une autre appellation possible de ces espaces, ceux du tout voiture ou du zéro marche à pied quasiment. Pour revenir sur votre question, dans les grandes priorités et les enjeux essentiels, c'est vraiment tout d'abord de rabattre sur les transports en commun existants, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, mais faire en sorte que ça fonctionne au mieux et d'utiliser l'existant en organisant des rabattements sur ces transports en commun. Et ça, c'est vraiment la priorité importante. Et l'autre priorité qui peut apparaître contre-intuitive pour des grands espaces, c'est d'utiliser un maximum les modes actifs. Et je dis que ça apparaît contre-intuitif parce qu'on parle de grands espaces et donc faire de la marche ou du vélo, c'est inadapté. Mais même dans ces grands espaces, les trajets courts sont la moitié des trajets du quotidien et donc des trajets de moins de 5 km. Et dès lors, la marche ou le vélo, à condition que les trajets soient, l'urbanisme soit adapté, est tout à fait envisageable et il faut en faire la promotion. Et le dernier grand enjeu, c'est sur une compétence qui est très complexe à mettre en œuvre, de disposer d'ingénierie et donc de financement pour cette ingénierie, car les transports sont un sujet extrêmement technique et pointu et on ne peut pas tout faire avec des bureaux d'études. Il faut absolument une ingénierie propre dans les collectivités qui sont en responsabilité. Alors je veux saluer l'approche du CESE qui d'abord rend un avis global et plutôt complet sur la question. Et puis, d'autre part, sur la forme, le CESE est cohérent avec ce qu'il est lui-même, puisqu'il recourt abondamment à des méthodes participatives pour rendre son avis. Et je tiens à saluer ces deux éléments-là qui me semblent absolument essentiels. Alors, je partage complètement les grandes orientations qui sont définies. Et je voudrais revenir sur deux propositions qui me semblent extrêmement riches et intéressantes. Un forfait mobilité durable citoyen pour les grands espaces me semble extrêmement intéressant et porteur. De même que la proposition 1 visant à instaurer un droit à la mobilité pour tous et que ce droit soit inscrit dans le code de l'urbanisme et vérifié par une commission d'accessibilité. C'est une proposition riche et très fine que je reprends très volontiers. Alors, c'est une perspective qui est indispensable puisque on a une loi d'orientation des infrastructures qui est dans la loi d'orientation des mobilités et qui est totalement dépassée. Et là, même le gouvernement a dit qu'il fallait investir beaucoup plus dans le ferroviaire, ce qui est une bonne nouvelle, même s'il n'a encore pas mis l'argent sur la table. Et donc, il va falloir repasser par le législatif et on parle d'une nouvelle loi d'orientation des infrastructures qui est donc indispensable. Eh bien moi, je peux m'engager à proposer au président de la Commission du développement durable, à la reprise de la session, de faire une audition. Ça me semble être l'outil le plus efficace pour que la vie soit bien prise en compte et connue et relayée ensuite dans la dimension législative.